Et donc je commence l'enregistrement. Mince, vous êtes fait empiéter d'un moment où on découvrait la prochaine sortie, enfin la sortie cachée dans un monde, pour accéder à un énième chapitre 2 alternatif. C'est dramatique pour vous. Ah, le retour des boules. Le retour des boules. Dit comme ça. Le retour des boules. On est dans un monde où, comme vous voyez ici, c'est tout noir. Et on a des interrupteurs qu'on peut actionner, il me semble. Ah, mais là, on va se faire marteler le visage pour voir s'il n'y a pas quelque chose en haut. Voilà, c'est ça. C'était sûr qu'il y avait quelque chose de caché. Ça fait un peu vomito. Non, ça va. Hop là, on n'a pas eu. Ah, je crois que j'ai entendu deux fois. Donc on va l'actionner, on va voir s'il y a quelque chose qui a changé. Rien n'a changé. Voilà, là il y a quelque chose qui a changé. On a allumé la lumière. Hop, donc il y avait quelque chose de caché. Brett. Brett. En tout cas, on leur met super cher au pélican. On peut tout casser. Son tour. Bon, c'est que pour des pièces. On voudrait nous découvrir plutôt la cachette secrète. Attendez, mais on est déjà allé là. Ah ouais, c'est pas. Franchement, tu peux pas les découvrir sans avoir actionné la lumière. Boum. Ça, je sais pas s'il y a pas un truc pour les passer plus vite. Moi j'ai toujours attendu, mais il y a peut-être une astuce. Se prendre un damage boost. Comme je faisais avec les lances là, enfin les chaînes en acier. Parce que là c'est long. C'est très long. Bon là sûrement on va voir qu'il y a un niveau caché. Enfin des plateformes cachées pour monter. Je pense que ce sera ça. Allez! On deviendra pas un zombie! Lolo! Le zombie, ce n'est pas pour cette fois-ci. Bon, après, effectivement, on n'aurait peut-être pas trouvé comment monter tout de suite. Allez, bise. Je sens que l'autre Spearman va revenir. Ah. Oh! Ah non. Peut-être que ça passe par là. Bon, il y a une porte de l'autre côté, donc on va aller essayer de la prendre. Et moi, je veux juste mettre... Non, pas le dashboard, c'était l'autre. Hop. Hop. Et hop. Tu peux pas mourir dans le jeu, mais il faut être patient. Ouais, c'est ça. Parce que là, franchement, c'est ce passage-là avec ces monstres, il est... C'est quand même plutôt chiant, quoi. Mon chat fait de la merde dans mon dos. J'ai paniqué. Bon, on monte sur les petites plateformes. Là aussi, c'était pas évident pour les découvrir sans rien. Hop là. Allez, la porte cachée. Non, toujours pas. Ah oui, donc... ah oui. Donc là... Eh ben... Eh bien. Il me semble qu'ils changeaient un peu plus de couleur quand même. Ils sont tellement gros ces Spearman. Oui. Ah, celle-là on l'a eu. Yes. On ne s'est pas refait troller hein, comme tout à l'heure. On est au pays. Donc là on a plein de gold. Et on fait le premier mini-jeu. Easy. On a 3800 gold. On en a pas perdu, on en a gagné en rab. Donc du coup, on n'est pas trop mal. On a gagné plus 1000 même. C'est que le 2. C'est que le 2 là. C'est peut-être que le 2, même dès la première case, j'aurais pu mettre que c'était le 2. Dommage, on a perdu 150 ou 100 de gold. 100 de gold. Salut à toi, Beyond, et merci d'être passé. Des bisous. Des bisous.
Ah oui, je comprenais pas. À bientôt! Avoid the quoi? J'ai pas vu. Il me semble que dans ma version de poche, de Game Boy, je. Il y a. C'est aussi en anglais. Hein. Ce qui fait que je ne comprenais absolument rien quand j'étais enfant. La console dissidente. Il y avait quelque chose de l'autre côté. Mais là, jamais on l'atteindra là. Y a-t-il une astuce? Ah mais oui, peut-être là, tout simplement. Mettre un petit bitonio ici. Et ici. Bien mon ami. Mais il va rester là ou... Ah bah non, c'était pas suffisant. Bon. Let's go! On continue! De toute façon, je vous ai dit, je ferai des... Sûrement, je ferai en cachette. En cachette. Pour qu'en fait, je débloque l'accès au dernier monde. Notre but, c'est... L'intérêt de cette émission-là, c'est de juste de vous montrer, en fait. Ah oui, alors là, on peut les récupérer, il me semble. Pas le gros. Voilà, mais lui, oui. Ah! On va monter. Ah non! Ah! Ah non, il y a deux d'affilée? Oh putain, j'ai cru que j'allais me faire troller et que j'allais avoir un gros là. J'ai paniqué. Mon chat rôde. Cette raclure de bidet, je sens qu'il va faire de la merde. Qu'est-ce que tu fais, souche? Putain, il faut que je branche mon ordi. Il aurait pu avoir un drame comme une coupure de courant intempestive. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ok, il fallait pas tomber. Très bien. Merde. Est-ce qu'il faut récupérer un caillou sur la route? Ça c'est la question à 10 000 euros. Merci de me pousser dans l'eau, trolleur de chauve-souris. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Heroes of the Storm, ça me manque un peu. Avec mon copain Louis. Je préférais... Attendez, on va récupérer un petit. Mince. Ouais. Attends, Sushi, te colle pas au truc, bordel de merde. Non, mais ayez un chat, c'est vraiment la dissidence la plus totale. Hein. Il s'en fout de ce que vous voulez. Hein. Tu viens de nettoyer ma litière? Très bien, je vais faire caca. Raclure. Bon, on passe vite là. Tac, tac, tac. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite dans le jeu. On fera juste les panels. Les trésors, c'est 6 qui sont sur la route, ok. Sinon, je les referai. Il n'y a pas de problème. J'ai envie de faire comme ça. Est-ce que ça vous dit? Là, effectivement, la caméra nous laissait penser qu'il y avait quelque chose. Ici. Oh! On a bien fait d'y aller. On a eu notre petite pièce truquée. Plus 100. Ah là là, on va pas laisser 9 pièces. Wario, ça lui fait mal au cœur. Je pensais qu'ils allaient se buter, mais non. Donc lui, il suffit de rester en dessous et hop là. Là, c'est encore un canard? Mais non, on s'en fout des canards. Mais il y a beaucoup d'ennemis et ça me fait penser qu'il faudrait en laisser peut-être un en vie. Là, il y a encore quelque chose, ouais, ça c'était obvious. Les trucs comme ça. Ah bon, ben voilà. Ouh là là, avec des vieux reflets jaunes dégueux. Lol. Alors, on a fait en hard, il me semble. Non, on n'a pas encore choisi. Oui, c'est chiant. Ah, lui, le petit Bitonio. On va essayer de le voir avant que je fasse la pause. Ok. Il est toujours. Genre, moi, en fait, si vous voulez, l'astuce que je fais, c'est je regarde ces quatre là. C'est-à-dire j'ai mon œil gauche qui regarde les deux à gauche et machin, et en fait avec la vision périphérique vous voyez un peu les... Par exemple, vous voyez avec vos visions périphériques vous arrivez à voir ces quatre là. Mais bon, c'est pas hyper précis, mais je trouve quand même que c'est pas mal. En fait c'est surtout, on voit bien ceux du haut, mais rarement ceux du bas.
Donc du coup, quand je vois pas qu'ils sont dans les 4 au milieu et les 2 à... avec la vision périphérique, stratégie de speedrunner, hein, et ben, il y avait quelque chose en haut, je crois. Ok. Pourquoi pas. Il y a un trou, donc on est obligé de tomber dedans, sauf si on est en mode boule. Pourquoi c'est aussi complexe? Ouh! Plein de pièces! Quand même, c'est un jeu bah, comme le Check It, je crois, sur Wii, où c'est à base de pognon. Hein. Ah, monsieur, et puis il faut sauter un moment. Trop tard. Je sais pas si la sortie derrière, parce que là en fait, on va essayer d'aller en haut. Là, il nous faut un ennemi. Ah. Ok. Allez, dégage bien. Oh là là. Bon, la porte est là, donc je sais, je vois pas trop à quoi ça sert. Je vois pas trop à quoi ça sert de la partie là-bas. Ça doit être pour farmer les pièces. Donc on a en tout cas on a une étoile de Sailor Moon et ça c'est important. Donc on a bientôt 4000 pièces, 4000. Donc je vais expliquer aussi un peu le concept de c'est 1. Oula non, c'est 4. C'est 4. Il y a 1 et 4. J'ai expliqué donc rapidement ce spécial donc de Special Service Showtime, donc SSTT. Ça fait un peu le mec toqué. SSTT. SSTT. Qui consiste en fait donc à continuer certains jeux que vous avez vus dans Service Showtime, que des jeux qui sont très bien, des jeux que j'apprécie, des jeux que j'ai envie de continuer. Donc de continuer en rab. Donc c'est pas une émission qui remplace Service Showtime, ce n'est pas une. C'est une série qui la complète. C'est juste. Ah, par contre, on va devoir se le retaper. Ça, c'est peut-être pas opti. Hop là. J'aime beaucoup les niveaux en train. Je les trouve assez agréables et bien pensés. Même si là c'est un peu lent. Hop là. Là c'est très très lent. Mais bon là c'est pas vraiment. Je sais pas si on arrivera sur les toits en fait. Mais c'est ce niveau là que j'aime beaucoup moi. C'est le niveau où on passe sur le. Ah bah là. C'est juste comme ça, ok. Voilà. Bah là c'est là. Avec en fait l'effet d'inertie où on. Il y a pas mal de. En fait il y a des secrets qui peuvent être cachés derrière. Moi je trouve ça malin. Il y a juste quand on utilise son bras, ça limite l'impact de l'air. Pas mal. Il nous a renvoyé d'où on venait. Bonjour à ta mère. Non, non. Allez, bise. Oula. Eh ben. J'aurais quand même gagné une petite pièce en rab, enfin une petite pièce, les petites pièces qu'on aime bien. Oh, je ne pouvais pas le tuer. Alors bise. Vous voyez là, des fois on peut se prendre des damage boosts dans le bon sens. Je pense qu'on aurait été malin là. Ok, la charge au sol, ça les fait se réveiller. Est-ce qu'il faut faire un peu de backtracking? Non. No need. Par contre, eux sont assez dérangeants. Là, ça a l'air d'être une zone fermée. Donc, on va y aller. Ok. Comment on monte? Comment on monte? On peut pas monter. Ça, si on se prend un damage boost. Mais je trouve ça bien, bien compliqué. On va voir si c'est là. C'est là, ok. Non, ok.
Ok, je suis débile. I am so stupid. Je pense qu'il aurait fallu continuer. Parce que là, il doit rien avoir là. Là, ça doit être la vraie sortie. Ah non. Bon, moi, ça doit être la porte cachée. C'est ça. Tana. Bon, je vais claquer les 50 trucs pour vous montrer là avec la vision périphérique pour voir si ça fonctionne. Donc je me concentre sur les 4 et j'essaie de voir. Et on va voir si ça fonctionne ou pas. Ça ne fonctionne absolument pas, c'était beaucoup trop dur. Ça a marché un millième de seconde, pas mal. Bon, de toute façon, en hard, comme le nom l'indique, c'est pas facile. Tu es contente, hein? Encore le même? Est-ce qu'il sera à la même place? Pas du tout. Lui, il a une drôle de tête. Lui, c'est le gorille, justement, le gorille qui nous balance le boulet. Là, elle se met en position, mon chat, pour que... Voyez sa petite oreille dépassée, là. Ouais. Ouh, j'ai pas vu qu'est-ce qu'on avait gagné, mais ça avait l'air stylé. Oh, j'ai envie de me faire les Zelda en Oracle of Season et Edges. Oh oui, j'ai envie. Ouh, jackpot. Donc, il faut bien qu'on dépasse le premier trou. Ne jamais aller dans la facilité. Les copains, n'allez jamais dans le premier trou qui se présente à vous. Choisissez bien mieux les trous. Que ça. Ça c'était obvious dans l'autre niveau avec le train. C'était la même. Ne jamais, jamais buter les Spearman. Sauf les gros. Les gros Spearman perdent tout leur côté mignon et kawaii. Non mais te mets pas là. Putain, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je maltraite mon chat verbalement. Oui, vous le dites, et c'est vrai. Elle sait qu'elle fait une connerie, mais elle le fait quand même. Genre, c'est quand même ouf, non? Genre là, elle fait la tête, genre, ah non, non. Mais c'est plus fort que moi, la chaleur est trop bien. Donc le 9, le 0, 9, 0, 8, 0. 0, là, c'est peut-être que 0, là. Pas de troll. Pas de troll. Ça aurait pu être un 6. Ça aurait pu être un 6 si j'avais pas eu le truc du milieu. J'aurais pu me faire rebaiser par le 6. En tout cas, ça fait une jolie carte. On est content. On est content d'avoir notre carte grande. Il y a que 4 niveaux ici. Ah non, là c'est la lumière. Il va nous falloir manger pour qu'on passe par là. Toi, dégage bien. Les niveaux avec eux, je les aime pas beaucoup. Hein. Je vais pas vous mentir. Je les aime pas beaucoup. En fait. Ça rend la progression très lente. Bon là ça doit être là où il doit y avoir un interrupteur je suppose. J'ai pas de pièce. Je m'emballais un peu. Et vas-y écrase-moi. Et oui, si on touche le bas du bidule, ça fait que on se transforme directement en crêpe. Il va retomber ça. Donc ne pas se faire avoir par la... Ah si, on pouvait se faire avoir par la goutte d'eau, j'allais dire ne pas se faire avoir par la goutte d'eau. Mais si. De toute façon, on était obligé parce qu'on n'aurait pas pu faire l'interrupteur. Débilman, débilman. Plein de lanciers. Qu'est-ce qu'ils ont? Hop là. Comment je fais? Désolé, petit bonhomme. Toujours pas. On a quand même pas eu beaucoup de pièces. Vous faites gros? Oh là là, il faut être gros. Allez, donne-moi. On a quand même eu pas beaucoup de pièces spéciales là qui nous donnent 100 gold. C'est quand même assez dommage. Donc là on va attendre qu'on maigrisse parce qu'on ne peut pas sauter aussi haut pour arriver à la plateforme. Bien entendu on ne peut pas se baisser non plus tellement on a de bourrelets. On est bloqué dedans sinon.
Allez, il faut marcher, je sais plus s'il faut marcher. Peut-être que oui. Eh ben. Ah ok, la plateforme est bloquée en bas. Très bien. Ouh, les niveaux aquatiques, ça faisait longtemps. Franchement, je les trouve pas désagréables. C'est assez rapide, il nage très vite. Notre compère Wario. Bon. C'est sur la route là, on peut pas se plaindre. Toi non plus, viewer, tu ne peux pas te plaindre, tu peux pas te dire ah là là, il perd trop de temps sur les 3 heures. Là non. Là non. Puis c'est tellement fun, hein. Soit tu l'auras trouvé avant que. Ok, là j'y étais très visible parce que je regardais les 4 et. J'avais pas besoin de mettre pause. Mon ordi est à peu près à 80 000 degrés. Alors, c'est une bouée? Je ne sais pas. Allez, donne-moi à manger. D'ailleurs, ce jeu a été connu pour rendre les gens diabétiques. Un drame à l'époque. On va le tuer, hein. Parce qu'on n'a pas envie de se le retaper, hein. Alors là, c'est un magnifique bug. Mais là, il y a forcément une plateforme. What? What? Oh, alors on peut pas passer par là. On peut pas passer par là non plus. Mayday, Mayday, il nous faut un interrupteur. Mayday. Mais par où on... Par où? Ok. Ok, donc c'était que par le haut. Je pense qu'il y avait quand même un interrupteur pour qu'on y voie plus clair. Hein. Parce que là, ça paraissait quand même sacrément bizarre. Est-ce qu'on peut... Non, y'a rien. Une cavité anodine. De toute façon, on en a pas vraiment besoin, finalement. Je suis en train de penser. Oh là là, c'est bon, on a compris. On en a pas finalement tant besoin que ça. C'est un troll ou quoi? Ah, c'est pour ça qu'il y a la cavité. Oula. Oula, oula. Voilà. Hop là. Ah merde. Pas mal. Pas mal comme trou. Ah mais non, mais nous on veut que ce soit éclairé ici. Ils se moquent de nous ou quoi? Si on va à gauche, là c'est éclairé. Ah bah voilà. Donc c'est ça qu'on veut, nous. Et hop là. Ta-da. Est-ce qu'on avait besoin de l'allumer? Je pense pas. Du coup, il suffisait d'aller directement à droite. Mais bon, ça c'est un coup à se faire troller, je pense. Oh, allez. 2 1 Peut-être que le 5 là. Que le 2? Que le 2? C'est que le 2? C'est que le 2? J'aurais pu le... Dès le premier j'aurais pu savoir. Là on a perdu 150 gold en rad. Ah, notre panneau se complète au fur et à mesure. Ça fait plaisir. Keep power on. Et donc là c'est le dernier. Donc on en aura fait 5 en plus. Il nous en reste combien à faire après? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Rose 5. Donc il nous en restera 15 à faire. Et je pense que je vais couper les VOD pour faire 5 niveaux à chaque fois. Est-ce que c'est pas trop court? Je ne sais pas. Donc c'est le dernier niveau de ce chapitre. D'ailleurs sans boss. Quand t'es zombie, moralité, quand t'es zombie, t'es invincible. Hein, Souche? Qu'est-ce que t'en penses, Souche? Tu veux être zombie aussi? Zombie 4? Ou Zoom 4? Je trouve que cette porte est trop facile d'accès.
Après, eux, ils sont en mode tout excité, là. Tu te calmes. J'ai peut-être buté tes amis, mais... ça, ça sent la baise. Parce qu'on peut pas sauter, je crois. Ça sent sacrément la baise. Allez, hop là. Des transformations du monde zombie. Donc, vous qui croyez que les zombies craignaient... en fait, uniquement une blessure cérébrale, et ben détrompez-vous. Détrompez-vous. Oh, c'est long quoi. Vraiment, on est obligé de faire un. Oh non, je suis obligé de même de repasser par devant. Super. Mais bon, on sait jamais. Jouons la safe. Découvrons les mondes à 100% aussi. Oh, tout ça pour vraiment 5 pièces quoi. Par contre là c'est un peu les boules. Bon, un peu plus que 5 pièces, mais bon. Ça reste pas worth it à mon avis. Parce que là ça semblait trop simple hein. Là c'est un troll, ouais voilà. Attends, est-ce que là il y a quelque chose? Ok. Voilà. Merci. Ah, et en plus là, il y a un autre truc caché, bien entendu. C'est gratos. Est-ce que là... Moi, je pense pas que ce soit là non plus. Hein. Ah bah si. Bon. Du coup, la porte, elle est potentiellement ici, je pense. Oula. On va aller par là d'abord. Ok. Ok, donc il y a vraiment genre des tunnels tout partout quoi. Et ça se rejoint. Hein. Ça se rejoint. Est-ce qu'il n'y en a pas un... Il n'y aurait pas un en haut. Ça paraît compliqué. Il y en a un autre en haut. Alors comment on fait pour l'avoir celui-là? Oh bah dis donc, celui-là il est pas facile. Donc là aussi c'était un troll. Il nous manque quand même ici. Bon. Moi je sens que la porte elle était par là. A mon avis j'aurais dû creuser un peu plus, mais ça fait qu'on est très lent. Qu'est-ce qui se passe? Wow, what the fuck, the lag? Attends, casse-toi, Sushi, casse-toi là. Tu fais surchauffer l'ordi. Casse-toi bien. Merci, le chat. Ah, là, il y a une porte en haut aussi. Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. A plus tard, Sushi! What the fuck is that? Bon, je pense que. Il faut aller directement en haut. Ah, le troll quand même. Parce que si tu pètes les trucs, après c'est pas possible de monter. Hein. Là on dirait qu'il y a quelque chose, mais. No. There are nothing to do. J'aimerais bien que ce soit la porte. Comme ça, ça éviterait qu'on la cherche. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Tiens, attends, viens ici toi. Oula. Ok, réfléchis, Sylvain, réfléchis. Bon, là, c'est pour des pièces. On s'en bat un peu les. Donc, les pièces, c'est no. Eh bien, non. Non. Là, après, il court parce qu'il a peur qu'on vienne le chercher, qu'on le bute. Et c'est bien normal. Petit chien pâtissier. Quoi, essayer de le faire tomber. Oh! Donne-moi à manger, sinon je te bute! Ok, mais je suis pas un chien, je suis une taupe! Et pourquoi je vais voir si désagréable? C'est parce que je suis Wario, ok? Maintenant, on décède de décès, comme dirait Mister MV. Allez, on a compris, t'es gros.
Ah, et c'est la porte. En tout cas, je trouve qu'on n'est pas mauvais, les copains. Et quand je dis on, c'est vous et moi, parce que vous m'aidez sacrément. Surtout que je n'ai plus le chat depuis environ le début de cette VOD. Ouh, je suis allé facile. Je trouve qu'on les, on n'a pas trop de mal à les trouver. Ok. Ceci n'est pas de la triche. Ceci est une stratégie de speedrunner. Bon là on s'en fout des pièces en rab. Salut. Allez, ils auraient pu nous filer une petite pièce pour nous récompenser de notre triche. Non, de notre... Ouh, mais c'est un boss. C'est le boss sanglier. Oui, je l'aime trop. Viens mon copain. Boulette. Il est trop sympa, il a trop une bonne tête, regardez. Il a failli nous troller en plus. Oh merde, il fait que je le chope là. Ok. Ok, c'est pas possible. Ah, c'était que trois fois. Je pensais qu'il allait nous retrouver une seconde fois. Ouais, un pattern de plus quoi. Mais même pas. C'était juste pour nous faire comprendre et puis... Donc là on a une corne. On a 3600 pièces, donc ça veut dire qu'on a quand même perdu des pièces. On ne fera pas la, les 99 000 pièces, ça c'est sûr, 99 999. Alors, qu'est-ce que ça peut être ça? C'est quoi? Attendez, je comprends pas là. C'est un 2. Eh oui, c'est un 2. Des Pillman. Je comprenais pas, vraiment. J'étais là, c'est un 6 inversé? What? Débilman, débilman. Bon, en tout cas, là, ça se complète plutôt bien. En gros, on a 3 séries à faire. Encore. Donc, je vais couper la VOD. Moi, je suis bien chaud pour la continuer. Je vais couper celle-là. Hop. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Twitter, Twitch et YouTube. Twitch pour vérifier, pour vous puissiez voir ce stream en même temps que moi. En même temps que je le fais. Ça, c'est du bonheur en barre, n'est-ce pas? Offline? What? Non, en train de charger. Bon. Attendez. Ouais, c'est bien, c'est ça. Ça charge. Bon, on est tout bien. Vous voyez que ça charge. C'est tout magnifique. Donc, il nous reste ici. Où est-ce que c'est? Il nous reste les 3 séries. On a raté un trésor et une petite vignette. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Il nous reste ces 3 séries où il y a 3 fins. Là, il y a une autre fin. Ah merde, je me souviens plus où c'est là. Attendez. Chapter 2. Je m'en souviens plus du tout. Oh merde. Où est la sortie cachée? Ah si, je l'ai faite en plus. Merde. Oh, le beau cadeau. Je sais pas si c'est là. Dis donc, on s'est bien fait récompenser. Je trouve. 160 pièces à 1 minute de jeu, not bad. Donc là, il me semble que je m'en souviens plus du tout. Fuck. Je me souviens des autres parce que je les ai cherchés pendant longtemps. Là, ça sent la baise là. Il n'y a pas un truc à faire avec le petit mignon. Ah non, j'avais passé ça, il me semble. Bon, attendez. Parce que j'ai déjà trouvé. Hein. Je les ai déjà toutes faites pour aller vite en fait, pour l'heure du jour J. Le jour J est aujourd'hui. Non, vite, passons avant. Hop là. Ah, c'est peut-être là. Merde, je m'en souviens vraiment pas. Bon, en tout cas, on va couper la VOD ici.
Hop là. Donc je vous remercie de tous de m'avoir regardé. On va continuer, donc il y aura 5 parts. Plus la 6ème peut-être sur le dernier monde, je ne sais pas. Donc il y aura 5 parts sur ce hors-série. Je trouve que c'est plutôt respectable. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker tout ça dans la vidéo. Moi c'est toujours un très bon moment que de faire ces vidéos-là pour vous. Avec vous. Dans ma tête et dans mon âme et dans mon cœur. Voilà, c'était pour la minute niée. Maintenant, il faut que je dise des jurons, je crois, pour contrebalancer. Donc, papier, carte bleue et lampe sont les objets qui m'entourent. Donc, voilà. Là, j'ai dit, je pense que j'ai bien trash-talké. Ça a bien contrebalancé avec les niaiseries. Allez, à tout de suite pour la partie 3. Des bisous! Hey! Et on est de retour. On enchaîne directement l'enregistrement des deux. Avec le la troisième partie de ces mondes cachés. Donc voilà, donc là j'ai trouvé, en fait c'était bien ce qui me semblait. Il fallait que je prenne un petit bonhomme et que je le lance sur. En plus je l'avais déjà fait ça. Ah là là. Vive les mémoires de poisson rouge, vive les mémoires de poisson rouge. Je répète deux fois parce que sinon j'avais pas mon souvenir. Qu'est-ce que j'ai dit? Jeu d'acteur de renom. Allez, bise. Donc là, on va accéder aux 5 prochains mondes. Donc du coup, on aura fait combien? Du coup, il y en a 10. 10 x 5, ça fait 50. Chaque monde compte pour 2%. Donc là, on en est à 70%. C'est ça, je crois. Il nous reste 30% à faire dans les mondes. Dans les mondes clear. Et hop là. Et ben. Ah non, on ne peut pas l'exploser avec notre boule. Parce que sinon, après, on se ferait éjecter par le geyser. Donc là, c'était alternatif. C'était où on droppait l'ancre. Donc du coup, ça stoppait le bateau. Ou on le coulait. Là, nous, on a choisi quand même de le couler. Faut arrêter de déconner. Donc là c'était un moment du début. On est au chapitre 2-4 là en termes de régular. Alors qu'est-ce que nous dit cette petite cinématique? Le bateau a coulé. Donc et on arrive à Atlantide. Bah bien entendu. Atlantide, la cité perdue que Wario aussi a coulé. Oh! Un micro sous-marin trop stylé! Donc là, Syrup va sortir, voilà, et ses sbires, ses Spearman spéciaux avec le butin. Il est où le troisième? Le troisième qui est toujours un peu gogol. Allez, chapter 3, rinse out the bottom of the sea, escape from the teacup. Alors on doit s'échapper de la coupe de thé. What the fuck? Hop là, on prend toutes les pièces. Un magnifique rendu bleu de la Game Boy Color. Oula oula. Je crois qu'on veut nous troller. Oula oula. Un peu trop de. Eh ben là ça doit être par là, la truc caché. Là c'est que des pièces. Ok. Plutôt totalement useless comme move. Allez, il m'a vu. Il a vu mon boule, il s'est dit oh mais c'est génial. Allez bis. Je pense que là il doit avoir la porte cachée dans cette direction là. Ça m'étonnerait que. Ah quoi que. Ah moins que hein. Ah moins que hein. Ok non. Allez viens, regarde mon boule. Ou ma tête là. C'est plutôt ma tête. Fais moi des bisous. Voilà, ça c'était pas nécessaire parce que pour 3 pièces, je pense que le. C'est pas Overseat. Non, non, mais on va pas faire. On va pas faire demi-tour après donc. J'ai dit de la merde, encore une fois. La porte. Ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là. Voyons voir. En tout cas, je suis content parce que je trouve pas mal de trésors. Ah bah non, même pas. Que se passe-t-il? Très inquiet. Non. Oh. J'ai voulu le culbuter une seconde fois d'affilée, histoire qu'il me fasse pas chier. Erreur. Mais attendez, mais il y a combien de portes?
Ouais, meurt. Ok, donc c'est là. Voilà, ouais, là y'a anguille sourd. Merde. Non. Y'a anguille sourd. Blet. Je te mets un gros coup d'épaule. Bon, bah c'est là. Bon. Très bien. Moi, il me semble que je les faisais en normal. Les trucs, mais même en easy, je faisais en sorte d'avoir 300 de gold pour en fait pouvoir faire un normal et un easy. Je faisais un normal si j'arrivais, tant mieux. Sinon, je faisais easy. Là, je l'avais à coup sûr. Et en fait, après, je me souviens très bien avoir farmé les deux premiers niveaux où tu peux arriver à 600 pièces très facilement. Et ensuite, donc j'avais dû le faire 3, 4, 5 fois pour avoir 5000 gold et histoire de pouvoir finir de façon gratuite après le. Tous les panneaux. De toute façon, quand t'as tellement de gold à la fin, tu préfères choisir la truc que te retaper les mondes qui sont un peu plus difficiles et un tantinet plus relou. Je sais pas si j'enchaînerai directement avec la quatrième part. Je pense pas parce que la fatigue commence à faire son pesant d'or. Et puis, il ne faut pas trop jouer. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Il veut attaquer peur? Regardez ça, il a trois dents, il a des pics, il a des yeux exorbités, mais il me fait terriblement peur. J'ai peur aussi de ce que fait mon chat en cachette. Allez, let's play. Nous sommes à 72%. C'est le 1. C'est le 1. Ça ne peut être que le 1. Une case blanche en haut à gauche, c'est le 1. Une case blanche en milieu à en haut, c'est ou un 4 ou un 1. Ça dessine une carte. En fait, c'est plutôt ça, je crois. Allez, let's go. Second monde. Chapter 3. Story 2. Defeat the giant Spearman. Encore une fois, le Spearman, il va prendre cher. Le Spearman que nous détestons. Ouh là, les couleurs sont dégueu. Hein. La couleur jaune pisse ou jaune vomi. À mon avis, là, je vais pas trouver directement la truc caché. Que se passe-t-il? Parce que là, il y a des trucs pour. Ok. Quel but, ok. Ah, de gay. Ah oui, donc en fait, le but, c'est juste de progresser vers le bas. Ok. Nous allons dans les tréfonds d'Atlantide. D'ailleurs, Atlantide qui doit être gorgé de trésors, quand même, j'espère. Bon, ça, c'est des zones qui sont pas très intéressantes, je trouve. J'ai jamais trop aimé la répétition de la même difficulté. Là, on y arrive une fois, c'est bon, on a compris qu'il fallait aller dans les interstices. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. On n'a pas beaucoup de pièces, mais on s'en fout. On descend. J'espère que c'était pas juste là en haut à gauche, parce que si on est baisé. Mais voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Merde. Ah non, c'est bon. C'était juste des pièces. Ne jamais refuser des pièces gratos, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ça change quelque chose ou pas? Tu vois, c'est ce que je me demande. Là, ça. C'est pour récupérer plus de pièces. Je sais pas si c'est pas GG plutôt de prendre les blocs. Les petits blocs. Parce qu'on a plus de chances du coup de rencontrer une pièce spéciale. Especiales. Ouh, là, maintenant on tombe sur des pélicans. Ah, les passages avec le hibou. Moi j'aime beaucoup ces passages là, hein. Ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt agréables.
Je sais pas s'il faut monter ou descendre. Donc en fait la maniabilité du hibou est assez sympa. Ah mais oui mais non mais on fait que descendre depuis le début. Remontant un coup. En fait le hibou lui est invincible hein. Il n'est pas sur le même plan que Wario et ses sbires. Donc c'était bien le bas. On a gagné 6 pièces en plus. C'est pas vraiment ça qui va faire la différence, mais 6 pièces plus 6 pièces plus 6 pièces, c'est le début de la fortune hein. Bon, je pense que là, on est obligé de choir de toute façon. Franchement, je comprends pas trop à quoi ça sert. Très bien, soit. Oh là là, je rate chaque fois le début. Ah mais oui. Mais ok. On boucle. Mais on boucle là. Là c'est les pélicans, donc du coup on doit peut-être choir de l'autre côté. Bon, on va... Ah là là. Il y a une énigme. Il y a un puzzle. Nous allons le résoudre. Bon. Et nous allons prendre ce petit pic qui en fait nous a rendu service parce que nous sommes dépassés beaucoup plus rapidement. Donc là, on va spammer la droite là. Gauche, pardon. Mais c'est là d'où on vient. Donc là on doit passer à droite, on doit tomber par la droite. Et c'est encore par la droite après. Parce que là on arrive au pélican là. Attendez, on va voir si c'est ça. Aucun souvenir de ce monde. Par contre lui on l'a bien déglingué. Oh sérieusement. On dirait qu'on a un costume de taulard là, je trouve. Allez. Il va pas nous troller. Il va nous troller, putain. Allez. Bon là on a cassé. Allez. Bise. Parce que là on peut tomber encore. On prononce ça parce que si c'est la bonne porte. Mais là c'est Spearman là. Si on choisit, y'a quoi? Oh mon dieu. Ça ne servait à rien. Bon, je trouverai la porte cachée tout seul. Ce n'est pas grave. J'aurais dû finir tant qu'on en avait l'opportunité. Parce que là, on va se retaper toute la phase avec les maîtres loups. Finalement, c'est pas non plus si long que ça. Hein. Hop là! Est-ce qu'on peut pas choir directement? Si. Non, mais par contre. Attends. Oui! En fait, je crois que tous les mecs ils nous balancent la pièce comme ça, mais. C'est juste qu'à chaque fois je me tape le stress de. Je vais la rater. On n'a pas eu le treasure. Donc on en est au second. 74%, les copains, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On ne s'arrêtera que quand on aura les 110%. C'est le 5 là. C'est le 5. Ça peut être le 9. C'est le 5. Ça aurait pu être le 9. Donc on a mis de la moule.
Parce que les seuls trucs qui changent entre le 9 et le 5, ce sont les... Ouais, y a que une case en fait qui peut nous montrer la différence, non? Bah oui, y a qu'une case. C'est pas beaucoup quand même. Là, on a piffé juste quoi. On parcourt la terre entière. Ouh, des beaux lags. Ah oui, non, mais là, on va vraiment jusqu'au bout là. Donc voilà, donc c'était un speedrun. What? Mais pourquoi c'est allé aussi vite? Bon, bah, on va pas se plaindre, hein. Ah merde, ça peut être qu'un chiffre là, ça peut être que le 5 là. Non, c'est un 4. Ça peut être le 9 aussi. On est bon là, on est bon. Regardez ce magnifique tableau qui se complète. Là en bas à gauche, on peut voir le castle de syrup, je pense. Je pense que ce sera ça. Et ben ouais. Donc, du coup, là il y a deux sorties. Chapter 3, Story 4. Attendez 30 secondes. Non, je vais faire ça. Et on va le faire. Et du coup, là, est-ce qu'il y a deux sorties à ce niveau? Qu'est-ce que c'est que ça? Un interrupteur, sûrement. L'interrupteur serpent? Donne-moi ça. Mince. Reviens ici, gnome. Spearman. Spearman, reviens ici, mon ami. Merci bien. Fort agréable de ta part. On s'est vachement emmerdé pour 20 pièces, autant prendre les 6, hein. Bise. Donc, je ne l'ai pas fait, sérieusement. Ouh, la puissance de Super Wario! Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a le Super Wario, entre guillemets, le pyjama rose. Je sais pas dans quel Wario il apparaît ce truc. Sûrement dans WarioWare, hein, je pense. Donc là, du coup, il y aura un autre interrupteur pour qu'on puisse passer dessous. Je crois qu'on l'a vu venir, les copains. Attendez, on va le lancer. Hop là. Allez, viens, copain. Mon copain casque. Alors là, c'est pas du tout le GG, parce que jamais on pourra ressortir de ce truc. Ah, c'est bon. Ils ont pas mongolisé, ils l'ont fait sortir de... Ils l'ont remis à sa place. Oula, oula! Salut, gorille! Ah, mince. Ah bah, c'est lui qu'il nous faut, là. Viens ici. Viens ici! Viens ici! J'avais dit de venir ici, tu n'as pas voulu m'écouter. Que fait cette porte? Toi tu me saoules, mais je t'aime bien. T'es plutôt stylé comme boule. Donc là, le truc va se mettre de façon horizontale et donc on ne pourra plus passer en dessous. Donc pour aller en bas à droite, c'est là où il devrait y avoir la porte, je pense. Mais on va vérifier déjà avec cette porte là. Et ensuite, avec ce petit ennemi, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché, quand même. Ce serait bête de prendre un risque. Oh, par contre, là, tu nous le mets au bon endroit, copain. Par contre, là, tu m'as fait chier. Oula, c'est bon. Il a une tête de psychopathe quand il lance. Oui, je suis un psychopathe. On te pousse. Oh non, c'est que des pièces. Sans que des pièces. Bon. Je suis un peu déception. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? L'interrupteur. Un interrupteur? Probablement, voilà. Ah. Le DC. À quoi ça servirait les. À quoi ça servirait? À ressortir?
Parce qu'en fait là on a eu, y a une vous avez vu je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a une un caillou qui indique là le déplacement en fait de des plateformes serpents là. Je sais pas si c'était que sur elle ou si ça sera sur toutes. Hop là, le DC. Donc là ça paraît obvious et on va devoir à mon avis le refaire. Ça c'était obvious aussi. Hop. Et à mon avis la porte elle sera en bas à droite. Sauf si c'est volontaire de leur part. À mon avis c'est volontaire. Merde. S'il y a deux portes. Pourquoi il y a autant de canards? Ah, il y a peut-être une couille dans le potage. Un emplacement caché? Un emplacement caché, les raclures. On va vérifier partout. Voilà. Et à mon avis, la porte, elle est là-bas. Comme ça, en fait, là, on a accès à en bas à droite. Alors que ce n'était pas le cas. Et à mon avis, c'est ici. Il y a la porte, peut-être pas celle-là, mais plus loin. Ah oui, mais là, c'est là où il y a deux fins possibles. Donc, potentiellement, ce sera la bonne fin et pas la porte cachée. Apparemment, eux, ils vont nous faire chier. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ah là là. Ah! Bise. Allez, Brett, je pense que c'est la bonne sortie là. Alors, allez, on veut play nous. Let's play. On a 3800 gold, on n'en perd pas, on gagne pas, c'est bien. 5. 4, c'est 4. Attendez, ça peut être que 4. Il y avait 5, 4 et 9. Et hop là! Ouh! Il faut quand même que j'aille finir cette troisième ligne. Ça fait un peu tâche ce petit trou. Alors, est-ce qu'on a eu la bonne sortie? On a eu la bonne sortie. Ou est-ce que ça débloquait les deux de toute façon? On n'a pas eu le trésor quand même. Donc là il y a un boss, je m'en souviens plus. En tout cas c'est pas mal. J'aime beaucoup ce passage là. Je le trouve assez intéressant. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vraiment je le trouve très très intéressant. Quand je dis ce passage, c'est ce monde. Et oui, on peut manger aussi par la nuque avec Wario. Ça c'est un truc qui est assez sympa. Moi j'ai pensé à me faire une greffe de la nuque, enfin d'une bouche sur la nuque. Ça évite de. Ça fait qu'on peut manger de dos. Quoi? Donc là il y a un truc. Oh! Attends, mais reviens. Ouh! Oui, plein des pièces. Donne-moi plein des pièces! Putain, ça fait long. Je suis en train de me dire, ça fait perpète la galette que je n'ai pas lu un bouquin de ma vie. Ah, y'a rien. On s'est fait chier pour rien. Toi, tu meurs. Il nous a bien servi, mais il faut aller qu'il meure. Il fallait qu'il paye. Pourquoi nous fout des passages comme ça en fait? Je comprends pas. Bon là il y avait une flèche qui nous indiquait en bas. Donc je pense que c'était là. Bon les zones de plateforme comme ça j'ai trouvé plutôt gratos hein. Alors, je pense pas être un génie de la plateforme, ça je l'ai montré plusieurs fois. Petit, ok, vas-y, ensemble à moi. Hello. Hop là!
Alors, par contre, je me souviens plus du tout de ce boss. On a plein de pièces. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Ouh. On a bien fait d'affaire. Après, je sais que certains vont se plaindre, genre, mais tu triches sur ces trucs-là. Mais c'est pas ça l'intérêt, c'est hyper répétitif. Le but, c'est pas... on l'a fait, on a joué le jeu. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vous montrer le level design qui est assez intéressant. Parce que pour chaque chapitre, il est quand même spécifique. Les boss qui sont assez intéressants. Et le 100%. Mais ça fait partie du 100%, vous allez me dire. Mais je vois pas quel est l'intérêt de vous montrer que je recommence 50 fois la même truc parce que j'arrive pas à trouver la plateforme. Ouh, c'est encore Syrup. Ok, Syrup. Alors là, je m'en souviens plus. Ah, c'est quand elle est en jean là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je m'en souviens pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est juste ça? Putain de sa mère. What? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'était lui là? Non. Non. Ah fuck! On s'est fait baiser! On te déteste, le monstre bulle. On te déteste. Bon là c'était obvious qu'on allait atterrir ici. Je sais même pas pourquoi il y a une autre porte en fait. Hop là. Allez, on peut le faire. Je sais pas combien il a de PV. En tout cas il a une bonne tête. En gonflé il fait un peu flipper sa race mais... Allez, 1. C'est celui de droite. Pourquoi je suis resté sur cette trajectoire? Genre, je l'ai vu. Vas-y, vas-y, je t'attends là, je t'attends. Je suis prêt à me faire ambuler, non problemo. Allez, petit monstre à pièces aussi, ça peut être sympa. Bon, je vais sauvegarder ici, comme ça évitera de voir toute la boucle à l'infini. Mais bon, on va sauvegarder ici. Mais le boss, je le battrai. Pas mal, hein. Oula. Allez, hein. Je suis pas encore hyper OP des save states alors que en théorie j'ai fait ça toute ma vie. Ah fuck! Fuck, j'étais pas mal. Je le sentais bien. J'avais des bonnes sensations, si vous voulez. Ah ok, faut vraiment vraiment être au-dessus de la tête, hein, parce que sinon on se fait avoir, je sais pas si vous avez vu. Hop là, il ralentit. Une poubelle, putain. Je savais qu'il fallait pas que j'aille là et je l'ai fait quand même. Quand je joue comme ça, ça m'énerve. Oula. Il ralentit au bout d'un moment, voilà. Et c'est là où on doit le choper ou on peut le choper avant même. Hop là, 3. Oh, il pète, il se dégonfle. Mais qu'est-ce que tu étais comme petite bête? Tu avais l'air bien sympathique. À mon avis, il s'est fait corrompre l'esprit par Syrup. Mais bon, Wario, ça a quand même l'air d'être un méchant, c'est-à-dire que tous les gens qui sont contre lui sont des gentils. Ou à moins que Mario soit un méchant. Saleté de Mario. Oh merde. Ah ! Ok, trop de trucs, trop de trucs. Ça ne nous aide pas, ça nous aide toujours. Il y a le 9, le 0 et le 8. C'est le 8. Je sais pas qu'est-ce que j'ai attendu. En fait, quand on a vu celui en bas à gauche, on savait que c'était le 8. Ça va, Souche? Qu'est-ce qu'il y a, ma capule? Tu dis bonjour à la caméra? Dis bonjour à la caméra. Ouh, elle vous fait une bise. Et voilà, on a fini. Donc là, on a récupéré tous les trucs. Hein. Est-ce qu'on a eu un truc de fin? On a un truc de fin. Ah non, là c'est la cinématique. Donc là on a battu Syrup, on lui met quand même un coup d'épaule, histoire de la finir. T'es dans les vapes, SFLET! Et tes sbires, FLET FLET FLET! Donc là ils sortent de l'Atlantide, on les a boutés hors de l'Atlantide. Mais on devrait se retrouver avec beaucoup beaucoup de trésors. Atlantide, il y a plein de trésors. On en récupère que nos 3 trésors à nous, mais on devrait en avoir bien plus, non? Wario est très content de retrouver ses trésors. Mais Wario ne s'enrichit pas finalement. Bon, il nous fait un signe
que notre émission elle est bien. Ton émission, mec, elle est bien. Donc je ferme le chat, ça sert à rien. Bibliothèque, je la ferme. Hop là. Donc voilà, donc on a une petite fin. Donc il nous reste, donc là on a fait 80% du jeu. Nous allons vérifier ça, enfin 80% pardon des stages, mais pas du jeu. On en a fait moins parce qu'on a raté, je crois on a raté 3 trésors là. Non, 2 trésors on a raté sur ce monde là, donc 3 en tout. Et il nous reste une petite case qu'on avait ratée. Donc du coup, dans les petites cases on est à 78% et sur les trésors on doit être à 74%. J'accélère un peu ce truc, donc là on le voit nager. Ouais, on revient chez nous. Les oiseaux sont contents, presented by Nintendo. On est très contents. The end. Stage clear, 80%. 80%. On se rapproche, on se rapproche. Treasure, 72%. Ah, donc on en a raté 4. Et là on doit être à 78%. 78%. On est OP. Donc là, on va nous montrer tous nos trésors. Donc effectivement, on en a raté 4. 3 sur la dernière, sur le dernier truc. Très bien. Et on a raté ça. Donc il nous reste les deux arcs qui sont parallèles, il me semble. On est un peu pas tout à fait parallèles. Je sais pas si j'ai envie de me les faire maintenant ou pas. Je pense que non. Je pense qu'on va se stopper. Je vais uploader dans la foulée les 3 VOD. Donc en tout cas, j'espère que vous appréciez cette course 100% au 110%. Plutôt. On va continuer ça, je pense, demain ou peut-être ce soir, dans la foulée. Je ne sais pas. En tout cas, Sushi est très contente de vous accueillir. On se fait un selfie avec Sushi. Vas-y, Sushi, fais un selfie. Voilà, donc maintenant vous avez tout un matériel pour faire de la merde avec, avec ces photos-là. La macrapule. Sushi est très très contente d'ailleurs. Sûrement c'est en relation avec la pâtée que je lui ai donnée. Ou sinon c'est qu'elle aime se faire maltraiter verbalement. Je ne sais pas. Ah, ma crapule. Bon. Bien sûr, merci en tout cas d'avoir regardé cette VOD. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, sur Twitter, sur YouTube, et à vous abonner partout. Sur Cyprien Gaming, c'est très important. Allez, des bisous. A tout de suite. Enfin, tout de suite dans la prochaine part.